pour moi, quand je vois les images, il veut délibérément se faire du flic, comme les personnes qui sont autour. C'est flagrant. On voit déjà que c'est un gars qui a fait de la boxe par rapport à son attitude, au déplacement, la façon dont il a de se mettre ses mains en protection comme ça et puis de donner les coups de poing. On voit qu'il a pratiqué au niveau de la boxe. Après, par rapport à ce qui s'est passé, franchement, c'est inacceptable. Là, je suis en train de voir les images quand il est en train de donner des coups de pied au collègue qui est allongé par terre. C'est gratuit. Je ne comprends pas du tout. Je comprends pas. Est-ce que c'est de la défense ? C'est pas de la défense. Il n'y a aucune défense là-dedans. Le collègue, il est à terre. Même avant, il ne peut pas riposter. Il n'y a pas de défense. Il veut se faire du flic. Pour moi, c'est ce que je vois. Pour moi, quand je vois les images, il veut délibérément se faire du flic, comme les personnes qui sont autour. C'est flagrant. C'est impressionnant, il n'y a aucune défense là-dessus. La défense, c'est quand on reçoit un coup, on esquive, on remet. Là, il n'y a pas de coup. Le collègue, il peut pas se défendre. Il ne se défend pas. Et c'est inacceptable. Encore plus en étant boxeur. C'est pas possible d'aller au-devant interpeller quelqu'un. Là, ça va très vite. Les coups de poing, ils volent. Ça n'arrête pas. Concrètement, il faut se protéger au mieux. Mais encore, le gars, il est habile parce que les poings, ils passent par-dessus. Il arrive à toucher le collègue. C'est très, très difficile. Après, il faudrait être plusieurs. À interpeller le gars, à le retirer, mais c'est impossible, sachant qu'il y a une foule hostile derrière. Donc concrètement, il n'y a pas grand-chose à faire. Puisqu'on le voit avancer, on le voit reculer, et il continue à donner des droites, reculer, remettre, il n'y a pas de défense. Enfin, il n'y a pas d'attaque de la part de la police. Après, qu'on soit champion de France, qu'on soit champion amateur, ou il n'y a pas de niveau, à ce niveau-là, il maîtrise, il faut montrer l'exemple. En tant que sportif, tout confondu, il faut montrer l'exemple. Après, il y a des gens qui s'inspirent de telle ou telle personne. C'est triste de voir ça. Vous-même, vous êtes policière, boxeuse de haut niveau. Est-ce que ça vous est arrivé dans votre pratique professionnelle en tant que policier d'utiliser justement des choses apprises à la boxe ? Au niveau police, je me suis servi que du tonfa quand il y avait un souci. Après, si on parle de boxe pure, boxe anglaise, jusqu'à présent, non. Mais bon, j'essaye de faire au maximum pour éviter de m'en servir. Et bon, si vraiment il n'y a pas d'autre solution, je le ferai, mais jusqu'à présent, je fais en sorte que ça se passe bien pour l'instant, ça s'est bien passé jusqu'à présent.